Et salut tout le monde, c'est Jodan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, une nouvelle. Il s'agit d'une compétition qui va apparaître, on a cet événement qui va apparaître prochainement. Je fais cette vidéo, d'emblée je vous le dis, j'aimerais bien constituer une équipe pour y participer. Voilà, j'aimerais bien participer à cet événement. Donc du coup, je le présente rapidement. Le premier, il pourra gagner 500$. Donc, on sait jamais, on sait jamais. Honnêtement, j'y crois pas trop, hein. Ça va être ma première compétition sur un jeu d'ailleurs. Je suis vraiment ravi que ça soit sur War Thunder. Mais voilà, le lot est intéressant, ça annonce un peu la couleur pour les autres lots, vous allez voir, ils sont plutôt cool. Vous pouvez également gagner 100 000 golden qui vont être répartis entre tous les lots. Donc c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre, hein. On va pas se le cacher. Donc du coup, comment ça se passe? Bah, tout simplement, on a jusqu'au 30 janvier, 18h50, heure parisienne, pour pouvoir s'inscrire. L'inscription s'effectue ici. Voilà, et ensuite vous allez joindre. Donc si on veut créer une équipe, si on est assez de personnes pour créer une équipe, on ira constituer ici notre équipe. Sinon, vous allez dans Cherche Team et vous recherchez une équipe, vous regardez les pseudos et puis ensuite vous contactez les gars pour éventuellement constituer une équipe qui pourrait vous intéresser. Donc ça c'est dit. Ensuite pour les récompenses, donc pour la première équipe, il y aura 350$ que les membres devront se répartir entre eux. Donc il s'agit des 500$ qu'on a évoqués tout à l'heure, hein. C'est pas le premier qui gagne 500$, excusez-moi, c'est plutôt une répartition entre les deux premières équipes. Bon, c'est du vrai argent, ça fait toujours plaisir. Ce qui est intéressant c'est que du coup chaque membre touchera 2500 Golden Eagle et surtout un camouflage exclusif et unique. Donc par exemple là pour le premier ce sera l'Abraham qu'on a ici. Donc voilà, est-ce que vous êtes fan de ces genres de camouflage? C'est pas trop la question parce que moi le premier, je suis plutôt fan des camouflages historiques et je suis pas fan des camouflages, on va dire, un peu extravagants. Mais là, en l'espèce, c'est un coupon. Donc qui dit coupon dit revente sur le marché. Et comme je vous l'ai montré sur ma dernière vidéo, vous pouvez ramasser pas mal et ensuite vous offrir ce que vous voulez sur la boutique, des véhicules qui sont fort sympathiques. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-ci. Bon là, c'est un petit peu buggé, je pourrais pas vous montrer les autres camouflages hein, pour ceux qui voulaient, mais en gros, vous les avez ici, je vous enverrai le lien de la page en description juste en dessous. La deuxième place, 150$ à se répartir. Et voilà, ainsi de suite, hein, ça descend. La troisième place, vous gagnez 1000 golden chacun, avec le camouflage toujours. Quatrième et cinquième place, jusqu'à 700 golden eagle, et avec le camouflage que vous pouvez vous répartir. Donc plutôt intéressant à ce niveau-ci. Voilà, on peut regarder tous les prix sur ce petit lien. Donc, première place, là on les a vus, là on va jusqu'à la cinquième place. Et sixième place, 400 Golden Eagle. Donc voilà, 300 Golden Eagle, 250, plus des boosters, et avec un titre spécial, comme quoi vous avez participé à la compétition, et ça jusqu'à la 11e place. Donc moi personnellement, je suis ultra hypé par l'événement, et je suis, s'il y en a certains parmi vous qui souhaitent rejoindre un groupe, bah j'ouvre, je propose. Est-ce qu'on sera assez ou pas, on verra, mais j'espère qu'on sera assez, en sachant que du coup pour les règlements, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu, c'est des équipes de 8 avec 5 joueurs impératifs. Ce sont 5 joueurs qui joueront, on va dire, ça va être les joueurs qui vont être sur le terrain. Et il y en a 3 qui sont en remplacement, mais c'est facultatif. Avec 5 joueurs, on peut constituer une équipe et on peut s'inscrire et participer. Donc du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le règlement, je vous invite à aller sur page à propos du tournoi. Voilà, donc du coup, vous avez les maps qui sont disponibles, hein, donc des maps plutôt sympathiques, hein, on connaît bien. Et ensuite, là, vous avez les nations qui sont jouables et les véhicules nécessaires pour jouer dans ces nations. Je vous dis très clairement, vous le savez, moi, je débute sur War Thunder, enfin, ça fait 3 mois que je suis dessus, mais du coup, la seule nation dans laquelle je peux concourir, bah, c'est la nation française, les gars. Personnellement, j'aurai les 3 véhicules terrestres, il n'y aura pas de souci. J'aurai pas les supports aériens, malheureusement. Éventuellement le vautour je peux l'avoir, je peux le rusher. Là regardez, hein, je suis d'ailleurs c'est le véhicule que je suis en train de rechercher en ce moment. Donc tous les véhicules là je les ai. Et le vautour 2A que je suis en train de faire, je peux éventuellement faire un gros rush s'il le faut pour avoir au moins un support aérien. Je pense qu'il est plutôt intéressant comme véhicule, c'est un véhicule de toute façon que je voulais avoir. Donc voilà, moi de mon côté, je peux être prêt, il n'y a pas de souci. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre une équipe, on constitue une équipe d'au moins 5 personnes et c'est pour une nation jouée en nation française. Voilà, il y aura du lave et du coup ça me permet de rencontrer certains, non pas autour d'un verre, mais confinement oblige, autour d'une compétition et je trouve qu'il n'y aura rien de mieux, rien de plus fédérateur et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, les termes de la victoire, bon voilà, somme toute, vous avez deviné. Je vous invite à les lire par vous-même. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous n'avez pas envie de courir, mais toutefois que vous voulez gagner quelques petits lots, vous pouvez avoir un Twitch Drops. Donc cette fois-ci, pas de véhicules qui sont donnés, simplement des décalques, une inscription eSport Ready Fan, voilà, bon. Et éventuellement des camouflages, donc pour le BF 109K
T-44 et le camouflage pour le T-44-100. Personnellement, j'ai aucun des deux véhicules. Le BF-109K, je l'aurai sûrement. Le camouflage est plutôt sympathique. Noir et orange, ça donne un petit look assez agressif. Mais personnellement, bon, moi j'aime beaucoup le nez jaune des BF. Donc bon, voilà. Moi personnellement, les camouflages, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas pour ça que je le fais. Donc du coup, c'est un petit peu tout pour cet événement. J'espère que ça vous sera utile. Surtout si vous êtes des terres à jouer, que ça vous dit, que vous dites pourquoi pas constituer une équipe. Envoyez-moi dans les commentaires, prenez contact avec moi et ce sera avec grand plaisir. Dans tous les cas, moi j'essaierai quand même de concourir si on n'est pas assez nombreux et de vous streamer ça. Streamer peut-être pas parce que voilà, j'ai pas commencé à streamer, mais ça ne serait tardé. Dans tous les cas, je pense que j'en ferai des vidéos YouTube. Donc voilà. Avis aux amateurs. Rejoignez-moi, ami tankiste, c'est le moment, un moment faut rentrer dans l'art, donc c'est maintenant ou jamais. Sur ce les gars, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Je remercie les personnes qui l'ont déjà fait et qui lâchent des commentaires qui sont fort sympathiques et qui m'encouragent énormément. Donc encore merci à vous, vous êtes géniaux, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!